Oh, je peux... Regarde, je pourrais être ventriloque. Regarde, je vous fais l'œuvre. Oui, mais on ne comprend pas, bien rangé. Regarde, je suis ventriloque. Et bonjour. Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Et bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ma tête de chien mouillé. Je sors de la douche, hein, je pense que ça se voit. Non, je n'ai pas les cheveux gras. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, je n'ai pas chômé depuis ce matin. C'est-à-dire que les filles sont parties à l'école et dès qu'on est rentré de l'école, on était au taquet. J'ai préparé donc les colis Vinted qui doivent partir. On va les déposer avant de partir à l'aéroport. J'ai fait les valises. Là, je vais checker les sacs Cabaya puisque... Donc, nous avons le droit à un bagage cabine et un sac... alors, comment ils appellent ça? Toc, toc, toc. Un accessoire. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse la taille. Ouais, en gros, un sac à dos, quoi. Voilà. Et donc, un bagage à main. Cabine, quoi. Une valise, une petite valise, quoi. Ça tient, on a tout mesuré. Hein. Donc là j'ai fait 3 valises en tout, on en avait le droit à 5 mais j'en ai pris que 3 parce que franchement je veux pas prendre 5 valises, si c'est pour après galérer à les tirer et tout, c'est pas du tout la peine, et tout rentre dans les 5, donc c'est parfait. Là je vais juste checker les sacs Cabaya, donc Doudou prend un sac Cabaya grand, un moyen quoi, je prends un médium aussi et les filles auront chacune leur petit sac Cabaya. Voilà, comme ça au moins il n'y aura pas du tout de soucis, on aura chacun nos sacs et puis voilà. Même si je vous avoue que je sais que Romy elle le porte pas sur son dos, bon après c'est pas grave. Hein. Je prends le porte bébé pour Romy, le porte enfant, pas le porte bébé. Mais comme on n'a pas la poussette, il n'y a pas de poussette dans le Airbnb, et ben je vais prendre le porte bébé. On ne sait jamais, c'est pas ça qui va me tenir de la place. Quoi bébé? T'es pas un bébé toi? Est-ce que t'es un bébé, toi? Oui. Non. Si. T'es mon bébé, mais t'es pas un bébé. T'es une grande... Oui. Une grande fille. T'es pas une grande fille? Oui. Avec qui t'as dormi cette nuit? Oui. Non, ta tête, elle passe pas dans les barreaux de l'escalier. Et n'essaye pas de forcer, s'il te plaît. Hein? Oui. Tu veux prendre l'avion ce soir? Oui. Alors ne passe pas ta tête, là. Est-ce qu'on va moucher le nez qui avait plein de Hanouna? Oui. Oui. Donc Romy a fait dodo avec moi puisque elle était pas traque hier. Doudou a dormi dans son lit et elle a dormi, j'allais dire dans mon lit, pas du tout. Elle a dormi sur moi. Voilà, tu vas tomber. Ok. Ok. Oui, tu vas tomber. Bref, donc bon, c'est pas grave. Hein. Pas tombé. Pas tombé. Bah fais attention quand même. Bon allez, je check les sacs Cabaya pour vérifier si les filles ont bien que des trucs de coloriage, tout ça, tout ça. On a chargé tout ce qui était la Luni, la Timéo, etc. pour qu'elles aient de quoi s'occuper dans l'avion. On a 2h20 de vol, donc il faut les occuper. Surtout qu'en plus, c'est pendant la tranche du repas, quoi. C'est de 18h30 à 20h30. Donc, faut les occuper. Hein. Clairement, on va les occuper, je vais prendre tout. Parce que si elles sont, si elles commencent à s'impatienter et tout, ça va pas le faire du tout. Donc elles ont chacune un casque. J'avais acheté des casques. Alors les grandes, elles ont un casque connecté en Bluetooth en fait, et on peut les brancher avec un câble. Donc ça c'est très pratique, parce que par exemple la Luni ou la Timéo, on peut pas la brancher par Bluetooth. Par contre, si je veux leur faire écouter de la musique sur mon téléphone, je peux. Vous voyez, donc ça c'est très pratique. Il faudrait que je vous les montre, elles ont des petites têtes de chat. Ce que je fais, oulala, oulala, attendez, il y a les bougies qui tombent en même temps. Ce que je fais, c'est que je prépare tout ça et je vais vous montrer. Il faut que je check les sacs Cabaya, parce que j'en suis sûre qu'il y a des choses à trier. Hein, on est parti. Et sinon, j'ai annulé ma séance d'électrostimulation parce que franchement, j'allais être à la bourre sinon. En fait, l'idée c'est qu'on soit prêt à 16h, on va chercher les filles et on part quoi. Donc voilà, j'ai pas pris le risque de perdre une heure et quart à aller à l'électrostimulation. J'en ai prévu une autre la semaine prochaine, c'est pas bien grave quoi. Allez go, on est parti. Et sac Cabaya.
J'ai oublié la baguette dans le four. Il y en a un qui va être content. Et il y en a une qui va être moins contente. C'est moi. J'aime pas le pain trop grillé. Il fait très beau aujourd'hui chez nous. Très très beau. Il y a eu beaucoup de vent. Oh putain, ça a ramené toutes les feuilles. En fait, nous, on est dans un encart. Donc, à chaque fois qu'il y a du vent, on se tape toutes les feuilles chez nous. Mais alors, toutes les feuilles. Attention, vous êtes prêts? Je vais marcher sur mon tapis. Non, je saute sur mon tapis. Bon, allez, ça va refroidir dehors, ça. Hop, fermez la porte. Vite, qu'on ne les entende plus. Voilà. Bon, le pain, c'est fait. Les sacs cabaya, c'est fait. Donc, nous avons ici le sac de... attendez, je sais plus. Aria. Sac de Aria, moumoute, donut, nanana. Donc, dedans, je lui ai mis de coloriage. Feu de crayon de couleur. Jeu de cartes, jeu de bataille et... jeu de 5 familles. Ensuite, nous avons Kali. Doudou, il a sorti ma tablette. Je l'utilise presque jamais. Donc, on s'est dit, on va mettre les tablettes. Comme ça, au moins, elles auront de la musique et tout. Par contre, il faut que je télécharge de la musique. Parce que s'il n'y a pas de réseau dans l'avion... Enfin, il n'y a pas de réseau dans l'avion. Mais vous voyez, il faut qu'il y en ait du hors ligne, quoi. Cahier de coloriage, le doodle, la tablette, des cahiers pour faire de l'écriture. Parce qu'en ce moment, Kali, elle en demande. Et sa petite trousse avec ses feux de ses crayons de couleur, etc. Kali, elle a celui-là, le rose comme ça. Et ensuite, mademoiselle Romy, celui-ci. Alors, c'est le mien, normalement, mais je lui ai mis celui-ci. Parce que le sien, il est orange fluo. Et on est en automne, donc vous voyez, je... voilà. Hein, bon. Donc, Romy, crayon de coloriage. On a la Timeo, on a les disques de Timeo. Timeo, c'est très très bien. Je vous en ai. Timeo, pardon. Et pas Timeo, Timeo. Vous avez des petits disques qui sont interchangeables. Et en fait, ça fait de la musique, ça apprend les animaux, ça apprend l'alphabet, ça apprend les chiffres, ça apprend plein de choses. C'est très bien pour Romy, mais c'est très bien pour les grandes aussi. Et en fait, donc les disques, vous les achetez en plus, voilà. Donc là, vous voyez, on a les animaux, on a les fruits et les légumes. On a le disque de Noël que j'ai acheté là, parce que voilà, on est en plein dans la période de Noël. Et on a des fables, des comptines, des trucs comme ça. Franchement, ce truc est trop bien. En plus, il y a vous pouvez l'écouter avec les écouteurs ou non. Donc ça aussi, c'est trop cool. Et puis voilà. Voilà, voilà. Les sacs cabaya sont faits. Moi, je me suis pris le mien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... mon sac à main dans une valise, et dans le cabaya que je vais prendre sur le dos, j'ai mis donc tous les papiers, donc les billets d'avion, les passeports, mon portefeuille et tout. Et en fait, quand on partira, qu'on ira se promener dans Séville, eh bien j'aurai mon sac à main bandoulière et on prendra seulement un sac pour mettre le sac allongé. Voilà, on achètera des couches là-bas, on achètera le shampoing, le savon là-bas, voilà, pour voilà, parce que j'ai pas envie de me... De toute façon, les valises sont pleines, donc voilà. Et j'ai pas envie de reprendre une valise. Je pourrais prendre deux autres valises, vous voyez, mais j'ai pas envie. Parce qu'après, je vais dire, putain, comment on porte? Même si Romy, Kali et Aria peuvent tirer une valise, mais j'ai pas envie. Donc voilà, on achètera des couches là-bas, on achètera le savon, le là-bas, et puis voilà, ça ira très très bien. J'ai pris le strict minimum et ça se passera très très bien. Voilà, et Doudou, il prendra un cabaya aussi avec l'ordinateur portable, le casque et... tout ce qui est chargeur, etc. Comme ça, au moins, quand on passe la sécu de l'aéroport, et ben on sort juste tout dans son sac. Moi, j'aurais juste... Non, j'aurais rien à sortir. Et les filles, je vais devoir sortir, je pense, les tablettes et tout. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. C'est juste ça qui m'inquiète à l'aéroport, c'est la sécurité, parce qu'il faut tout sortir, etc. Quand t'as 3 valises, 3 enfants... Mais bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il faut que je m'occupe absolument des lettres du Père Noël à découper. Elles sont toujours pas découpées. J'ai fait toutes les impressions, mais elles sont pas découpées. Voilà. Faut que je m'en occupe. Ça y est, on passe à table, comme tous les vendredis. On est jeudi, on est d'accord, mais en fait, quand le vendredi, quand les grandes sont à la cantine, on fait tout le temps ça. Donc on mange sur la petite table avec Romy, c'est notre petit rituel. Alors, pour midi, vous allez voir que c'est très simple, c'est la croustiflette que j'ai fait réchauffer. Il y a le gratin de pâte merguez aussi. Donc j'ai fait réchauffer tout ça, c'est pas chaud? Est-ce que c'est bon?
Bon, ça va. Et avec ça, j'ai fait une petite salade. Enfin, une petite salade. Dedans, vous avez de l'iceberg, vous avez des avocats, du poulet, des pois chiches, une bonne petite vinaigrette moutarde miel, des petits oignons, du persil. Elle est super bonne. Franchement, depuis tout à l'heure, je la fais et je pique dedans. Donc, j'ai dit, je vais me ralentir parce qu'elle est trop bonne. Non, non, mais prépare-toi, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, va manger cornichon. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Tu veux ça? Oui. Mais je vais t'en donner de la salade. Va t'asseoir. Vite. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son nom? De l'avocat? Je vais faire le ménage. Oui. Voilà, sinon j'ai reçu un gros colis à Vanmay. Je vais vous montrer tout ça après. Tout est prêt. Il faut juste que je fasse le ménage avant qu'on parte. J'ai une story à filmer cet après-midi absolument parce que ça sort demain matin pour le Black Friday. Donc faut pas que je me loupe. Et puis voilà. Et on est prêt et on est au taquet et on n'a rien oublié normalement. Voilà, ça va le faire. C'est ouais. Si quoi, il manque un truc, je prendrai mon vélo. Je reviendrai ici. Bah non, pas du tout, non. Déjà, on va être pile poil à temps pour la sécu, donc va falloir, hein. Voilà, on va y arriver. J'ai très mal, là. Des dents? L'aft. Non, ah. Pas les dents. Ah, bah là, oui. J'ai une solution, mais tu veux pas. Non. Vous savez ce qu'il fait, ce taré? Il va creuser. Oui, bah ça marche, mais t'es complètement taré. Je creuse pas. Si. Je pose ma brosse à dents dessus. Et il frotte comme un taré. Je ne bouge pas. Non. Et les vibrations. Non. Frotte l'aft. Oui, mais je sais pas si c'est très hygiénique de faire ça. Ah, bah ça, j'en sais rien. Ah, bah ça. Bon, enfin, bref. Allez, bon appétit! Ça fait 4 fois que je recommence la story. Oh, je peux. Regarde, je pourrais être ventriloque. Regarde, je vous fais l'heure. Oui, mais on ne comprend pas, bien, on est là. Regarde, je suis ventriloque. Je ne pas ton spectacle. Bon, bref, bon, allez, je me suis posée. Alors, déjà, première chose, j'ai reçu ma commande à Vanmay. La semaine dernière, je vous ai partagé un super code promo, moins 65 sur les maxi bougies, et j'en ai profité. J'ai acheté deux fois la Marrakech, deux fois la Madagascar, je voulais pas me tromper, et deux fois la Aruba. Tu les sniffes? Je te jure, je me sniffe. Non, mais la Aruba, je la kiffe. Franchement, la Aruba, c'est vraiment un passe-partout, quoi. Ça va dans... Qui n'aime pas la Aruba? Dites-moi, vraiment, parce que c'est pas possible. Bref, donc voilà, j'ai reçu ma petite commande, enfin ma petite commande, ma grosse commande, 6 maxi bougies. Mais moins 65%, on réfléchit pas trop. Et alors attention, parce que là, vous n'allez pas réfléchir. De aujourd'hui, j'allais dire demain, mais oui, je filme jeudi, donc demain. Mais aujourd'hui, pour vous, nous sommes vendredi. Vendredi, Black Friday. Tu peux pas répondre? Black Friday. Viens là. C'est le vendredi noir. C'est le vendredi noir. Et qui dit vendredi noir dit qu'il y a des super offres. Et là, c'est quoi l'offre? C'est moins 65%, c'est ça? Sans minimum d'achat sur la quasi-totalité du site. Oui. Et c'est quoi le petit... Oh, ça va, c'est le petit calendrier de l'avant. Il y a juste moins 25%. Ça fait 5 fois que je refais la... Non mais, c'est moi qui me débarre d'infos. Moi, je sais tout sur non tout. Mais voilà, comme ça au moins ce soir tu seras paré. Mais ce qui veut dire, c'est que... Faut la soudoyer parce que le code promo, je sais pas si elle va vous le dire. Si, je vais vous le dire. Bien sûr. Toi, tu t'en souviens pas par contre. Non. Mais moi, je vais vous le dire. Donc, moins 65% sur tout le site, sauf le calendrier de l'avant. Le calendrier de l'avant, il passe à moins 25. Voilà, donc moins 65. Vous prenez une petite bougie, moins 65. Vous prenez une maxi bougie, moins 65. Vous prenez un diffuseur, un vapeau, moins 65% sur tout. Je vous le partage là, le vlog il va sortir assez tôt dans la nuit. Donc vraiment profitez-en parce que les stocks ils vont être très limités, ça part très très vite. Quand il y a du moins 65%, ça part très vite. La semaine dernière, on m'a un petit peu reproché de ah, il y a plus de stock et tout. Malheureusement, ça part vite. Une offre comme ça, c'est du jamais vu, c'est la première fois. Qui font aussi haut. Alors la semaine dernière c'était moins 65 sur les maxi, mais là c'est du moins 65 sur tout le site, donc ça vaut le coup. Le code, je vais vous le donner tout de suite et après je vous montrerai les petites nouveautés qui sont sorties sur le site d'Avanmay. Le code c'est OFFBB1. Je vous écrirai tout. Tout sera noté ici, voilà. Et profitez-en, vraiment. Vous avez besoin de faire des cadeaux de Noël, allez-y. Vous avez besoin de refaire votre stock, allez-y. Moi, je vous avoue que là, je pense que je vais pas passer de commande parce qu'en fait, là, c'est pas des bougies qu'il faut que j'achète, c'est des placards, en fait, pour ranger les bougies. Je rigole pas.
Regarde le placard là-bas, ça déborde. Une promo avec Ikea. Ah ben, mais faites une promo avec les packs de Ikea, s'il vous plaît. Bref, donc voilà. Alors là, j'ai 4 bougies à vous présenter. C'est des petites nouveautés. Déjà, j'ai adoré le packaging. Regardez-moi ça. Donc, c'est une collection avec des odeurs de vin, de spiritueux, etc. etc. Donc là, j'en ai 2 dans le même esprit à vous présenter. Ici, on a le whisky. Alors moi, je ne suis pas du tout adepte de l'alcool, du vin, du champagne et tout. Je n'aime pas l'alcool. Donc, je vous avoue que quand je les ai vus arriver, je me suis dit « Ah, ah, parce que même à renifler le champagne dans le verre ou le vin, non, j'aime pas ça. Bref. Et je me suis dit « Bah, c'est qui tout double ?» Et en fait, eh ben, je double parce que ça sent très très bon. Donc ici, on a le whisky. Je vais vous montrer la boîte et le packaging. Ça à offrir, c'est canon. Pour Noël, c'est canon. Donc, dans le whisky, c'est une bougie avec une forme assez sympa, vous voyez. Et donc c'est une bougie de 200 grammes. Dedans vous avez des odeurs de bourbon, de caramel et de tabac. Alors là tout de suite quand je dis tabac, on a un petit peu peur. Ne vous inquiétez pas, ça va pas sentir la clope hein, chez vous. Pas du tout. Au nez comme ça, ça sent divinement bon. J'ai hâte de la faire brûler pour vraiment sentir ce que ça donne. Et le petit truc en plus, c'est que le couvercle est en liège. Et ça, franchement, c'est canon. Et ça va parfaitement avec l'ambiance qu'ils ont voulu donner de la bougie. Le carton, il est canon aussi. Hein. Il est magnifique. Ça, je kiffe. Ça, en cadeau pour Noël, canon. Tu vois, je vais peut-être faire une commande pour ça, en fait, pour Noël. Il va falloir qu'on réfléchisse si on veut offrir des bougies à certains de nos proches et tout. Ouais. Parce que là, la whisky, là, elle est canon, hein, celle-ci. Moi, 3-4 whisky. Ensuite, donc ici, nous avons le Cabernet Sauvignon. Alors là, je regarde parce que j'y connais rien du tout en vin, je suis désolée. Hein. Ça, c'est pareil. Je me suis dit, oh, vin, est-ce qu'il va avoir des odeurs de vin rouge, etc. Alors oui, effectivement, vous avez des notes de vin rouge à l'intérieur, de rhubarbe et de bois de cèdre. Donc là, tout de suite, on se dit, oh, un vin rouge, est-ce que ça va ressortir? Est-ce que c'est ça qu'on va sentir le plus? Et en fait, pas du tout. Vraiment, c'est vraiment le côté fruité, voyez. J'ai presque l'impression qu'il y a des fruits rouges dedans à l'intérieur, quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire, vin rouge, voilà. Mais franchement, c'est très agréable. Au nez, c'est très agréable. Comme le whisky, vous avez un petit bouchon en liège. Donc ça, c'est assez sympa. Et pareil, la bougie, très très belle avec ce petit relief. Elle est violette, celle-ci. Magnifique. Vraiment très très belle. Trop beau. Franchement, moi, j'ai adoré le packaging. Vraiment. Et ensuite, les deux autres. Donc, on a le Pinot Noir. Pinot Noir, il l'avait déjà sorti l'année dernière et ils l'ont ressorti. Et je crois que Champagne, il l'avait sorti également. Donc là, c'est des couvercles donc, en verre. Vous avez la bougie en verre, hein, format assez simple. Vous avez des petites étoiles dorées et tout, bien sympa. Donc celle-ci avec la boîte. Donc dedans, vous avez des odeurs de cassis, de pêche et de framboise. Vous avez la boîte ici. Pareil, ça à offrir, trop canon, vraiment trop trop canon. Là, ça fait vraiment odeur de fruits rouges. Vraiment. Il y a peut-être une note arrière de vin et encore, j'ai même pas l'impression. Moi qui suis pas trop fan du vin, franchement, je sens pas du tout. Je sens vraiment les notes de fruits. C'est très fruité. Et ensuite, donc, nous avons le champagne. Donc dedans, vous avez des notes de rose, de vin pétillant et de framboise. Et alors là, on peut pas passer à côté. C'est vraiment l'odeur du champagne qui est au-dessus de tout. Moi, je sens même pas la rose, je sens même pas la framboise, vraiment. Je sens l'odeur du champagne, quoi. Avoir brûlé. Je vais pas vous dire que j'aime pas l'odeur parce que ça serait pas vrai, mais à voir ce que ça donne brûlé. Voilà, donc celle-ci, elle est noire. Vous avez un très beau bordeaux et un noir. Voilà, magnifique. Vous pouvez les acheter en 7, mais vous pouvez également les acheter en séparé. Les 7 avec le code moins 65%, ça passe à peu près à 25 euros à peu près. Voilà pour les bougies. Donc, je vous récapitule le code OFFBB1 qui vous donne droit à moins 65% sur tout le site Avenmet, sauf le calendrier de l'Avent qui passe à moins 25%. Voilà, donc si vous avez encore envie de craquer sur le calendrier de l'Avent, il n'est pas trop tard. Et si vous voulez craquer sur des maxi-bougies, sur des mini-bougies, sur des diffuseurs, des vapeaux, etc., allez-y, moins 65. Faites vos cadeaux de Noël, faites votre stock, etc. C'est le moment. Je vous remets tout
dans la barre d'infos tous les liens directs avec le code, etc. Je vous écrirai tout de toute façon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai pas de date jusqu'à quand c'est dispo, malheureusement. Mais franchement, ne traînez pas trop parce que les stocks, ils vont vite être limités. Moins 65. Je sais pas si la Vienne est revenue en stock. Mais vous savez quoi? J'ai dit que je faisais pas de commande. Mais si la Vienne est en stock, je vous jure. Je vous jure que je fais une commande pour rien que pour la Vienne. Pour la commander deux ou trois fois. La Vienne à moins 65. Story filmée. Je viens de préparer tous les petits papiers à distribuer à la maîtresse. Il faut que je les donne absolument ce soir parce que comme demain, on n'est pas là. Et j'ai pas envie d'y donner la semaine prochaine. Donc là, j'ai fait tous les petits paquets pour chaque classe avec le nombre d'exemplaires en fonction du nombre d'élèves dans la classe. J'ai noté la classe, comme ça au moins chacune prend son paquet. Et puis voilà, on a fait les grandes affiches pour mettre sur la porte de la périscolaire et sur la porte d'entrée. Voilà, j'ai tout mis avec des élastiques et tout, donc ça c'est fait. La story pour demain est filmée, les sacs sont prêts. Rominette n'a rien dormi, mais ça j'en étais sûre et certaine. On l'a laissée en haut, en fait elle est même pas descendue, elle jouait dans sa chambre, donc on l'a laissée hein, de toute façon. Je vais pas, hein, c'est pas grave, peut-être elle dormira dans l'avion, je me dis peut-être que... Hein, écoutez, Doudou a fermé le sac avec l'ordinateur, donc ça, c'est une bonne chose de fait. Je vais remplir la voiture, on récupère les filles dans une heure, donc on est dans les temps. J'ai juste lavé le manteau. Le manteau de Cali. Oh là là, ça fait de la pluche. En fait, j'ai commandé un manteau sur Vinted à Cali. Et je lui ai lavé. Alors, je sais pas. J'ai bien envie de lui prendre comme... Mince. Ah, je croyais qu'il s'était déchiré. Non, pas du tout. C'est ce manteau-là que j'avais acheté. Je lui avais acheté le même l'année dernière à tape à l'œil en 6 ans. Et en fait, là, je lui ai racheté en 8 ans. Donc, c'est un kaki avec de la moumoute. Il sent bon, parce qu'il sentait pas très bon en arrivant de Vinted, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de tâches et tout, il est nickel, donc je suis trop contente. Trop contente. Et je me dis, est-ce que je lui emmène... Je sais pas. 16h10, je vous jure qu'on a pris un coup de chou avec Doudou. Tout est nickel, j'ai passé un coup de Tineco par terre. Le salon est nickel, tout est nickel. On a reçu une commande Amazon, genre 2 minutes là avant qu'on parte, donc trop cool. Tout est ok. Et ben voilà, on est parti, let's go. Je prends ça, les manteaux, on a tout. J'ai regardé le temps à Séville, il fait super beau, on a trop de la chance. Et puis ben voilà, let's go. Je suis trop contente, j'aime quand c'est comme ça. Tu vois, dimanche on va rentrer tard, et ben ça sera nickel. Trop cool. Allez, ça y est, on est parti. Nous sommes arrivés dans l'appart. Franchement, ça s'est super bien passé. Le vol s'est super bien passé. Non, on n'avait pas d'enregistrement. Mais la sécu, ça s'est super bien passé. Là, on est à l'appart. Oh, on a un appart. On va être bien là. Hein. Doudou, il en peut plus. On va être bien, hein. Bon, je vous fais une petite visite. Aria, Cali, décale-toi. Alors, attendez. Non, mais attendez, il faut que je vous explique. Alors là, il y a notre chambre. Je vais tout vous faire le tour. Donc, on est dans un Airbnb. Donc là, il y a la salle. Je vais vous faire tout le tour. Déjà, je veux pendre les manteaux. Il y a 2 cintres adultes, 3 cintres enfants. Le monsieur, il nous a posé plein de questions pour savoir à combien on venait, combien d'enfants, comment il préparait les chambres et tout. On est trop bien reçus. Franchement, rien à dire. Je vais vous montrer. T'as vu la hauteur sous plafond? Ouais. T'as trouvé la lumière, toi. Ouh, c'est très blanc. La connexion Internet, papa, on en parle ou pas? Oh, bah, on va voir ça. Hein. Fais un petit test ou pas? On essaye? Alors ça c'est pour télécharger, ça peut être pas mal. Pour télécharger, on est à 500, c'est ouais, ça à peu près, ouais. Le truc ouais. La jauge est typiquement complètement pleine. Et pour envoyer, on est à 500 à peu près.
Alors, la vidéo, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Bon, Romy allume toutes les lumières, ça va bien se passer. Je vous montre la chambre des filles. Alors, la chambre des filles avec le petit lit pour Romy. J'aime trop ces lits parapluies. Regardez. Romy, viens voir. Va dans ton lit. Montre-moi comment tu vas dans ton lit. Vas-y. Et voilà. Donc là, c'est la chambre des filles. Alors, on pourrait prendre cette chambre, nous, et fermer la porte. Mais franchement, autant être là-bas. Donc là, on a le salon. Je vais ranger toutes les valises et tout pour qu'il y en traîne. Comme on reste 3 jours plein, je vais ranger dans les placards. Donc canapé, il y a 2 fauteuils. J'adore la couleur des fauteuils. J'aime beaucoup. Et alors la hauteur sous plafond. Non mais c'est immense. Là, on a la cuisine. Petite cuisine avec frigo, etc. Donc ça va être trop cool. Parce que ça nous permettra de petit déjeuner le matin et tout. Le monsieur nous a sorti une chaise haute. On a la cafetière, on a tout. Chérie, tu peux juste vérifier s'il n'y a pas de truc connecté en wifi. Tu sais, comme je t'ai dit là. Moi, je suis un peu une toquée là-dessus, mais on a tellement entendu de trucs, genre des caméras planquées ou je sais pas quoi, que je pense pas, hein, vu le... mais on sait jamais. Et donc là, c'est notre chambre. Voilà, donc petit lit, on est juste derrière la cuisine. On a des grands placards pour ranger tout, donc ça, c'est trop cool. Et ici, nous avons la salle de bain, hop, avec douche. Il nous a même sorti la baignoire. Je pense qu'il a, dû se dire, on a un bébé, non? Parce qu'il nous a sorti la baignoire pour bébé. Toilette, et on va être trop bien. On va être trop bien. Trop cool. Franchement, et en plus, on est en plein centre de Séville. Donc, pour faire toutes les activités demain et samedi et dimanche, ça va être trop cool. Ah, ça y est, elles vont se coucher. voilà, on avait pris doucement, les filles. Doucement. Allez, bonne nuit. Hein. On les enferme, on se casse. C'est une blague. Tu me remplaces, tiens. C'est marrant. Ouais, mais... Allez. Ah, déjà, on mange. Ah, oh, c'est confort, ça, en plus. Ah bah oui, je t'ai dit, c'est vrai, j'étais bien. Là. Oh, la vache. Mmh. Allez. Ça, c'est fait. On a pris le bus de l'aéroport jusqu'au centre. Vers une place, plaza des campas. Des malas, pas des malas. Des gambas. Des gambas, des petites gambas là. Il y a plein de. Ouais, 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 il y a un magasin là qui ouvre jusqu'à 23h, j'ai vu, hein. Ouais. C'est ça? L'espèce de galerie Lafayette. Ouais, c'est ça, avec toutes les décos de Noël et tout. Vous savez, tout décoré. Je vous montrerai demain parce que là, on était chargés comme des mules, laits, et je pouvais rien filmer et tout, donc bref. Mais on est arrivé, ça y est. Bon, franchement, ça s'est bien passé. Le vol s'est bien passé, les filles ont été franchement nickel. Il n'y a pas eu de cris, de pleurs, on avait de quoi les occuper, donc ça allait bien. Le vol, bien. On est arrivé, mais le manteau, on aurait pu le faire sauter facile. Hein. Moi, j'ai le dos tout trempé. Quand on est parti de Lyon, il nous a dit « fait 20 degrés à Séville ». Ok, et j'ai regardé la météo, on a beau temps. Les 3 jours et il fait 20 degrés, donc on va être trop bien. J'ai prévu des vêtements en conséquence, donc c'est trop cool. Trop cool. Comment c'était l'avion, les filles? Trop bien. Allez, on va profiter maintenant. Je vais monter le vlog. Qu'est-ce que c'est fait? Ah, mais vous jouez papa-maman. Ah, donc là, elle fait faux bébé. Ah, bah c'est papa qui les avait. Regarde, dans son manteau, je vois la petite queue du doudou dépasser, regarde. Va doucement, va doucement. Allez, on va vous abandonner ici. On se retrouve demain. Histoire de les mettre en pige, tout ça. Hein, et puis, dans ton sac cabaya, chérie. Sur la valise, mon cœur. Ouvre tes yeux, mon petit chat. C'est l'autre sac, toi. Derrière le manteau de papa. Moi, je suis une maman et j'écoute mon casque le soir. Ah, t'écoutes ton casque. Ah oui, fais voir le casque parce que je voulais le montrer. Donc, c'est un casque oreille de chat. Alors, c'est pas très discret, hein. Vraiment pas. J'entends beaucoup. T'entends beaucoup. Alors, c'est un casque spécial enfant, hein, voilà. Donc, ça crie pas dans l'oreille, mais alors, très discret. Très discret dans l'avion. Elle clignotait partout, Kali et Aria. Donc, Kali, là, en violet, et Aria, là, en rose. Voilà. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a une petite carte mémoire. T'en as pris, là, ou pas?
Oui. Donc on va pouvoir... Il y a une petite carte mémoire en fait, et on peut mettre de la musique directement. Donc il va falloir qu'on mette de la musique pour les filles. Attends. Ça sert à quoi ça? Eh ben là, t'as le volume plus, t'as le volume moins, t'as pour changer de musique. Là, je sais pas. Et là, c'est pour raccrocher les appels. Mais t'as pas de téléphone, donc tu peux pas raccrocher. Ça te va? Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il y a une offre Black Friday en ce moment. Combien je t'ai dit j'avais payé? 12 euros, je crois. 12 ou 13 euros. C'est en sans fil. Mais c'est sans fil, mon cœur. Tu peux utiliser aussi sans fil, ça va dépendre du périphérique. Ça lui fait une grosse tête. Enfin, bon, allez, on vous fait des bisous. Et on vous dit, ça va être trop cool. On va passer un trop bon week-end. Hein? Le prochain qu'on a pris en surprise comme ça, on est tous les deux. Mais c'est ce que je disais. Alors oui, ça va nous faire du bien. Mais moi, j'aime bien partir avec les filles. Je trouve que ça leur fait de... Tu sais, elles apprennent plein de choses en partant comme ça. Hein. C'est vraiment trop cool. Beaucoup plus que d'être... Non, mais... Et puis même, là, Aria, on est arrivé à l'aéroport. Non, mais mort de rire, on descend de l'avion. Hola! Hola! Elle a fait rigoler tout le monde. Enfin, bref. Bon, allez, à demain. On vous fait des bisous. Et on vous dit à... demain. Il est content, il a une bonne connexion Internet. Ah bah, je suis à fond. Je me pose. Allez, à demain.